all of you listen to City Girls and Meg Thee Stallion and listen to Cardi B and you worship these like Kim Kardashian type girls who are just professional hoes. Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien depuis la dernière fois parce que on ne sait pas. On ne sait pas la dernière fois, qu'est-ce qui s'est passé. Donc, est-ce que vous allez bien depuis la dernière fois? Donc, oui, ce cadre, en fait, m'inspire à parler ainsi. Parce que du coup, j'ai dû m'adapter, en fait. Parce que là, la caméra ne fonctionne pas, donc je fais avec mon portable. Donc, bon, ça tombe à l'air, tu veux passer directement dans la vidéo. Mais je présente quand même, je m'appelle Jean Tachi. Mais tu vois, le fait que je sois assis, tu vois, ça, il y a moins d'énergie, il y a moins de gestuelle, tu vois. Voilà, on reste calme. Donc les gars, je m'appelle Joao Tachi, pour ceux qui me connaissent pas, qui viennent juste arriver. Donc, et mettez un petit j'aime quand même les gars. Mettez un petit j'aime, abonnez-vous. Ok, l'idée de la chaîne, c'est pour te permettre d'être déterminé, passer à l'action, créer ta vie sur mesure, et tu le sais. Hein, pour ça, il y a une chose gratuite que je te propose, c'est gratuit les gars. Arrêtez de crier à l'arnaque, à tout va. Là, ça va de gros. Hein. C'est mon étude de cas où je te montre exactement comment j'ai fait 20K en une semaine. C'est gratuit, c'est offert les gars. Faites-vous plaisir. La seule chose que j'ai envie de te dire, c'est que arrêtez avec vos excuses, hein, Gérard. J'ai grandi à Évry dans 91, j'ai rejoint le BEP électrotechnique, hein, dans le quartier des Pyramides, j'ai grandi. Hein, j'ai connu le business super tard, j'avais 32 ans, 33 ans, je sais plus, 34, ok. Et pourtant, ça fait plus de 3 ans que je voyage, les gars. Donc, quelle excuse que tu veux? Que tu sois jeune ou que tu sois vieux, quelle excuse que tu veux te trouver, en fait, hein. Donc là, aujourd'hui, on est en Roumanie. C'est pas forcément le meilleur que j'ai dû savoir. C'est pas le meilleur que j'ai vécu, c'est pas le meilleur. Ça va, ça se défend, hein, mais par rapport à toute l'Amérique latine. Et puis après, il faut voir, c'est en fonction de mes goûts aussi. Hein. Mais bon, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Bref, les gars, si tu veux une vie sur mesure, tu vas être libre, il va falloir faire quelque chose. Bref, passons directement au sujet de la vidéo. Pourquoi certaines femmes pensent que être une boss, une city girl, ça déchire et genre c'est super sexy? Je sais pas d'où ça vient ce truc. Et ben justement, on va faire carrément une réaction vidéo parce que Sneeko l'explique très bien. Donc passons à la vidéo. Can I explain to you why you all think this and why this girl boss mentality has been brainwashing you? It's a thing because all of you are on Instagram, all of you are on TikTok all day long. All of you listen to City Girls and Meg Thee Stallion and listen to Cardi B and you worship these like Kim Kardashian type girls who are just professional hoes. And you thought that those are high value women, but really all of them are just bad wives. They're high class men. Men became more feminine and as a result, women became more masculine. Thank you, Sam. That's the best part. They're trying to feminize men and masculinize women. But we're seeing it all on this podcast. But it all, the main antagonist in all this was feminism, bro. Because what feminism basically did was tell women that men and women are the same and we're equal. And we're not. And we're not. I mean, no offense to, you know, Miss Red Dress over there, but she said something along, we can both be CEOs. Well, that's the mindset that many modern day women have. Non mais voilà, ça c'est le problème que l'on rencontre, les gars. Aujourd'hui, la puterie, c'est normal. C'est promu. Ça veut dire, genre, City Girls, là, pour moi, c'est comme il a dit, il a très bien expliqué. En fait, c'est des professionnels. Des prostituées professionnelles qui passent à la télé. Je sais pas si tu te rends compte, l'autre, elle est milliardaire, elle montre encore ses fesses sur Instagram. Alors qu'elle a 4 enfants. C'est juste incroyable. Je parle de Kim Kardashian, si jamais tu savais pas. Donc aujourd'hui, ouais, donc les meufs, elles sont influencées. Alors dans la musique, on leur passe plein de messages subliminaux en leur faisant croire que ouais, être une boss, ça déchire. Et en plus, la meuf là qui écoute là, au début elle avait mal réagi, parce que je sais qu'elle avait mal réagi et qu'elle disait, elle pensait que c'était des bêtises, elle pensait ouais, c'est vous qui pensez comme ça. C'est toi qui penses comme ça. Je me rappelle, elle avait dit ça, parce qu'elle avait un gars. Enfin, elle a toujours son gars, je pense. Et en fait, elle est revenue après sur le podcast d'après et qu'elle dit, ouais, au fait, au début, j'étais vénère. Mais après, j'ai eu une discussion avec mon gars et effectivement, ce que vous disiez, c'était vrai. Tu vois. Parce qu'aujourd'hui, on a tellement menti aux meufs qu'elles savent même plus qu'est-ce qui est la vérité. Donc, quand un gars va leur dire, ouais, nous, c'est ce qu'on veut ou c'est... Ou ça, non, ça nous excite pas. Non, on n'aime pas les meufs qui font la puterie. En tout cas, ça fait des très mauvaises femmes. Femme, je veux dire, pas femme, mais femme pour être mariée. Aucun gars veut que la mère de ses enfants aille twerker, je sais pas où, à 2h du matin, ou dans un clip, ou je sais pas quoi, où ça déchire. Non,
Et en plus, après, ces meufs-là sont malheureuses, parce que la vérité, c'est que toute femme, après, il y a des meufs qui vont dire, non, c'est pas vrai, pas toutes les femmes, d'une manière générale, 97%, 99% veulent avoir une famille et avoir des enfants. Est-ce que ça veut dire que elles doivent être éduquées à ça, là, et là? Non, c'est pas ça. C'est de là que la plupart des femmes puisent leur bonheur. Parce que c'est des femmes, c'est des êtres sociaux, parce qu'elles ont été designées pour ça. Donc quand on commence à faire genre, ouais, city girl, être des prostituées professionnelles, les meufs, elles sont payées à être des prostituées à la télé, et tout le monde fait comme si c'était normal, c'est sûr que là, ça va partir en sucette. Après, la deuxième partie qui est intéressante, c'est pourquoi aujourd'hui les hommes se transforment en femmes. Ben, c'est parce qu'on a fait, parce qu'il y a le truc pareil, féministe, on est égaux, on est pareil, donc voilà, les hommes et les femmes sont pareils, il n'y a plus de rôle, donc tout s'inverse, donc les hommes deviennent des femmes, voilà, et les femmes deviennent des hommes, donc on sait plus, on est perdu, tout le monde est perdu, et puis après, on comprend pas pourquoi les relations hommes-femmes ne fonctionnent plus. Mais qu'est-ce qui se passe? Parce que les gens commencent à se dire, mais attends, c'est quand même bizarre là, rien ne fonctionne. Les meufs, elles n'arrivent pas à avoir les gars qu'elles veulent, et les gars, ils galèrent. Donc à un moment donné, il y a peut-être un truc qu'on fait mal, les gars. Hein, ben voilà, les filles, donc à un moment donné, peut-être que... On n'est pas tous égaux dans le sens en humain, on est tous égaux évidemment au niveau de la loi, il n'y a pas de problème. Mais au niveau femme-homme, les gars, on n'est pas pareil. Biologiquement, je comprends même pas comment ça se fait qu'il y a des débats, mais je te promets, il y a des débats. Il y a des gens, genre, ils disent on est égaux et ils veulent le prouver. Ils vont dire non, la femme est aussi forte que l'homme, non, la femme est logique comme l'homme. Enfin, on n'est pas pareil en fait, on est complémentaires. Du coup, on est complémentaires, ben, chacun a son rôle. La femme elle a son rôle et l'homme a son rôle. Ah, ça veut dire quoi? Qu'on doit rester à la cuisine? Je rentre même pas dans ce débat, je trouve ça tellement bas. Tu m'auras pas, Géraldine, je rentrerai même pas là-dedans. Donc voilà pourquoi les hommes deviennent de plus en plus féminins. Mais tout simplement parce que, bah, à force de se faire laver le cerveau, de la même manière que les meufs elles se font laver le cerveau en mode city girls, soyez des prostituées, c'est cool, ça fait plaisir. Vous inquiétez pas, vous allez pouvoir trouver un gars. Bah, va dire ça à Britney Runner. Hein, chaque podcast qu'elle apparaît, elle dit non, mais il faut que les gars ils arrêtent d'avoir peur que genre on dise que c'est un simp parce que sa meuf elle a couché avec plein de gars, etc. Il faut qu'il soit un vrai homme et qu'il s'en fiche de ce que les gens y pensent. Non, 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 chérie, on va pas choisir une meuf qui est une prostituée qui a couché avec toute la planète pour être la mère de nos enfants. Quand tu deviens la femme d'un homme, tu le représentes. Si jamais il sort dans la rue et que tout le monde a couché avec toi, c'est quoi cette honte? C'est quoi ça? Faut vraiment qu'ils soient en galère. Il n'y a que les gars qui n'ont aucune option qui vont aller vers ce genre de meuf. Si tu as le choix entre une meuf qui a été prostituée et qui le revendique en plus et qui en est contente, et une meuf qui est clean, qui a fait les efforts de pas tomber dans la narrative du city girls, tu peux être une prostituée, coucher avec toute la planète et il n'y a pas de problème, tu fais ce que tu veux avec ton corps, qui a su résister, qui a su se préserver, qui est-ce qu'on va choisir? Hein? De la même manière pour un homme. La femme, elle va choisir celui qui... cette meuf-là, elle va un gars qui a la value man, évidemment, toujours. Hein? Donc voilà, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Je trouve ça super marrant, le cadre, ça fait genre... je sais pas, déjà je vais présenter quelque chose quoi, une émission, un reportage. N'hésite pas à mettre un j'aime si jamais t'as aimé cette vidéo, un j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé. Pour tous ceux qui veulent aller plus loin avec moi, je te rappelle que tu peux accéder à ma formation Pirate Marketing où je te montre toutes les stratégies pour pouvoir atteindre au minimum les 5K par mois. Et en plus de ça, tu as en bonus comment investir en immobilier, comment investir dans les crypto-monnaies, comment investir, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore, e-commerce, personal branding, il y a un autre truc encore, mais j'ai oublié. Okay. Et en plus de ça, tu as accès à l'incubateur qui donne accès à du coaching. Okay. Donc en fonction de la formule, tu auras accès à du coaching et tu peux y accéder via ton CPF ou tu peux investir directement via ta CB. Hein. Ça, c'est le mieux pour moi, les gars. Hein, pour ceux qui posent des questions, est-ce que je peux investir par CB? Tu peux allègrement, les gars, parce que CPF, ça prend 2-3 mois. En tout cas, pour ceux qui veulent passer par CPF, allez-y maintenant parce que je sais pas combien de temps ça va durer. Bref. Tout ce que tu as à faire, si jamais tu veux en savoir plus, c'est cliquer sur le lien qui est dans la description, tu mets ton numéro de téléphone, il y a un membre de mon équipe qui va te rappeler. Ensuite, tu pourras poser toutes tes questions pour en savoir plus. Si jamais ça te convient, ben on fera le dossier avec toi, on aura les accès après Pirate Marketing. Après, il faudra charbonner, ce ne sera pas un bouton magique du jour au lendemain, tu vas devenir riche. Ce n'est pas ici. Va sur une autre chaîne si tu veux ça. Et après, tu reviendras dans 2-3 ans, une fois que tu auras bien, tu t'auras perdu ton argent, tu seras allé à droite, à gauche, imagine, tu vas revenir gentiment ici, à la maison. Voilà.
Et tu vas dire, ah, t'as raison, Joe. Ah bah, les gars, si je te dis, c'est parce que je sais. Depuis 2015, je suis dans le game. Enfin, 2016, non. Mes premiers euros, je les ai gagnés en 2016. Mais on va dire, depuis 2015, je m'intéresse, enfin, j'ai compris qu'on pouvait gagner de l'argent autrement que par le salariat. Donc, j'ai fait marketing de réseau, des trucs, j'ai tout fait. Je te le dis, il faut penser long terme. Il y a pas de, personne ne devient riche du jour au lendemain. Et après, évidemment, si jamais ça ne t'intéresse pas, l'appel, c'est sans engagement. Tu dis, non, ça ne m'intéresse pas, merci, c'est gentil, merci, non, mais ça va. Tu raccroches, puis voilà. C'est pour ça qu'on reste dans la politesse, les gars. Et le respect. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. On lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et à nous. Ça va être ton camp.